Kamel, c'est comment? Ça va de votre côté? Voilà. Aujourd'hui là, on va faire midi commentaire. Vous voyez, non? Avant de commencer, ce sont les commentaires. On raconte des histoires, on demande des choses, on fait des propositions. Si ça plaît quelqu'un, on est ensemble. Si ça ne plaît pas quelqu'un, pendant que vous appuyez stop sur la vidéo, je vais vous passer à autre chose. Parce que depuis un certain temps, j'ai remarqué que les Camerounais ont le bon moment. Comment ils savent qu'ils ont le bon moment? Tu fais ta vidéo, c'est énerver quelqu'un. Ça, c'est quoi? Ça, c'est le bon moment. Donc, n'envoyez pas votre moment sur moi. Parce que depuis un certain temps, le Bing Bouaman m'a envoyé un peu de film congolais. Vous connaissez le film congolais? C'est chaud. Très chaud. Donc, envoyez votre moment sur moi. Parce que vous avez votre moment vient là. Je lui envoie le film congolais. Pap! Tout le monde va tomber collé. Ah, c'est comme ça que vous allez aussi tomber collé. Ah, vous voyez, non? Donc voilà, moi c'est Merlin d'Angleterre. Je reviens pour ma deuxième vidéo. La deuxième fois que j'ai fait ma première vidéo, ça remonte un peu pratiquement un mois et demi. Depuis lors, je n'ai plus eu assez de temps pour faire la vidéo parce que jusqu'à présent, je suis très occupé, très très occupé à faire ma thèse. Donc c'est ça qui me prend beaucoup de temps. Mais aujourd'hui, quand même, c'est dimanche. J'ai dit, bon, il me faut souffler un peu et prendre ce moment-là pour balancer une vidéo au terre et contribuer un peu à tout ce qui se passe au terre parce que je me rends compte que le terre prend vraiment de l'ampleur. Il y a des don girls qui arrivent là et le Parlement évolue. Il y a vraiment beaucoup de nouvelles choses au Parlement là. Donc, je vais faire ma petite vidéo aujourd'hui. Vraiment, elle ne sera pas très longue. Je vais prendre juste deux points que je vais juste souligner. Je me rends compte même déjà que je baptisais mon frère. Je me rappelle dernièrement, j'ai appelé une de mes cousines au pays. Je l'appelle. Allô, allô, c'est comment? Il me dit, ah, c'est comment, c'est toi? Il dit, mais comment tu as su que c'était moi? Donc, je ne baptise pas encore. Elle me dit, ah, qu'à là-bas, tu baptises au cadre, donc je vais t'avoir. Donc, ça me suit pas parce que ceux de France, bon, tu peux comprendre qu'ils baptisent parce que pour ce bien se faire comprendre par les Français, là, ils doivent vous baptiser parce que si tu parles de ton Camerounais, là, mon frère, ils ne vont pas te comprendre. Ceux d'Angleterre, ceux d'Allemagne, ceux d'Italie, mon frère, tu baptises par rapport à quoi? Tu baptises dans quel système? Dans quel système, mon frère? On a encore le ton du patron dans la bouche. C'est pas mon frère, baptise par rapport à quoi? Donc, j'ai tout ma façon de parler. Bon, ça veut ça que je continue. Donc, j'ai juste certains petits points que dont je veux parler à propos aujourd'hui. Déjà, je voulais répondre à la vidéo de la reine mère Flore. De ce Flora, non? Donc, j'ai une vidéo de ma mère. Ah, au mort, hein? Donc, déjà, c'est ma reste, c'est ma soeur, comme vous entendez là, nous sommes. Je suis Chang, donc elle-même, certainement, elle est Chang, je le sais. Donc, je vais déjà répondre à sa vidéo, puis cela souligner un certain point récemment que je m'identifie un peu à ça. Parce qu'elle a parlé des BAMS qui, entre parenthèses, ne lui draguaient pas et tout ce truc. Bon, c'est vrai que déjà, nous les BAMS, nous avons, comme elle a dit, je peux dire, pas tous, hein, je peux dire là, 50%, 60%, 70%, nous avons un peu ce caractère-là d'être un peu raciste, hein, si je peux le dire ainsi, envers d'autres tribus du pays. Parce que nous, en majorité, on aime rester entre nous. Les Bafans, bon, ils aiment les Bafans, les Bagantés, avec les Bagantés, les Tchang avec les Tchang, mais bon, je pense que ça c'est bien, mais ça ne doit pas être une règle, à mon avis. Donc je trouve que ce que la reine Mère Flore dit, c'est un peu vrai. Moi je m'identifie à ça parce que pour la petite histoire, j'ai un de mes cousins, pas très éloigné, qui récemment était presque une phase, je peux dire, de fiançailles, mais rendez-vous compte que sa fiancée, je crois, elle était Betty. Je crois qu'elle était Betty.
Donc, ils vivaient ensemble, ils étaient bien, tout allait bien, ils s'aimaient, vraiment ils s'aimaient, c'est-à-dire ils étaient à une phase très avancée. Mais les parents, les oncles, mon frère, c'est devenu la guerre, c'est devenu la guerre. Donc, pour finir, ils ont combattu la fille, le grand frère même. J'ai dit, quand je parle, t'es un garçon de presque 28, 29 ans, 30 ans. Mais je suis arrivé à la maison de l'oncle. Ce sont les petits qui me disent que on a giflé tonton l'autre. Je dis que mais giflé par rapport à quoi? Ils me disent que non, par rapport à machin, machin, sa femme lui a dit, machin, machin. C'est là donc qu'on m'a expliqué, on a suivi que c'est. J'ai suivi que c'est donc par rapport à sa copine, c'est-à-dire la fille petite qui voulait. Ils avaient prévu beaucoup de choses ensemble. Donc, je me suis demandé, mais. Pourquoi? Pourquoi on est encore à ce niveau-là? Pourquoi? C'est vrai, on va dire la tradition, elle va bien s'entendre avec la belle-mère et tout, mais bon, c'est vrai, mais je pense aujourd'hui, on ne doit pas être contre, mais on ne doit pas être pour aussi. Si quelqu'un choisit épouser une fille boulot, une fille douala, une fille bassa, n'importe. C'est bien, pourvu que vous vivez ensemble. Je pense aujourd'hui les parents doivent essayer de comprendre que c'est plutôt comment est-ce que leur relation se passe. Est-ce qu'ils s'aiment? Est-ce qu'il y a une bonne harmonie dans le couple? Je trouve que c'est plutôt ça qu'on devrait regarder aujourd'hui, mais pas elle est douce, elle est douce. Parce que je me rappelle, c'était un truc que les gars publient ces derniers temps sur Facebook. Quand tu arrives chez les nordistes, on te demande que quand tu présentes ta femme chez les nordistes, on te demande qu'elle est douce. Elle est musulmane. Quand tu présentes les boulons, on dit qu'elle travaille où? Quand tu présentes les Bassa, on te dit qu'elle vit en Europe. Quand tu présentes chez les Bami, on te demande si elle est d'où? Voilà, là, c'est clair. Tu penses, on publie ça sur Facebook constamment. Donc là, c'est clair. Vraiment, je pense que c'est assez clair. Donc, ce cousin, moi, vraiment, jusqu'à aujourd'hui. Il ne s'est pas remis, hein, il ne s'est pas remis. Toujours entre lui et l'oncle, vraiment, c'est devenu. Le climat est devenu un peu délétère. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent là. Lui, je pense qu'il a décidé de ne pas les suivre. Mais bon, et ils ont dit soit tu cherches ta femme au village, soit rien. On ne veut pas entendre de cette fille. Comme ça. Donc, c'est que. Marie Floyd dit, c'est vrai. Et aussi, le deuxième point qu'elle a souligné, c'est que bon, les gars Bami ne la draguent pas. Moi, je ne suis pas un prétendant ici. Moi, je sais que tu es la reine mère, pardon. Où sera? Où sera? Je ne parle pas aux autres. Donc, pendant que moi, la vidéo récemment, là, donc je comprends que non, je ne suis pas un prétendant ou grande sœur dans. Donc, elle a souligné ce point qu'on ne la drague pas parce qu'elle a un peu ce caractère-là, c'est-à-dire elle aime extérioriser ce qu'elle ressent de l'intérieur, c'est-à-dire elle aime se faire valoriser, ce qui n'est pas mal. Mais nous, les BAM, je peux dire, c'est quelque chose que nous ne regardons pas trop bien. Trop bien. Vraiment, nous n'avons pas trop ce courage-là. C'est ma soeur. Ce n'est pas le Boma qui est en voie, c'est tout le Boma, non. C'est juste que nous, quand une fille a déjà ce caractère-là, généralement, ce que nous on se dit à la tête, c'est que non, 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 je ne veux pas les maux de tête. Pardon. Je ne veux pas les maux de tête. Pardon. C'est ce caractère qu'on a. Les autres tribus, ils l'ont. Les autres tribus, bon, ils ont ce pouvoir-là. Quand ils voient une fille qui aime se mettre en valeur, non, c'est là que ça leur donne le courage. Mais nous, par. Je prends les gens sur moi, quand une fille allait, quand tu le vois un peu monter, je dis seulement que, hey, pardon maman, je ne veux pas les maux de tête. C'est ton compte, Fonzanzan, donc c'est ton l'intime. Donc c'est comme ça que ça se passe un peu chez nous, hein. On a un peu ce petit caractère-là, mais c'est pas quelque chose de grave, hein. C'est juste que bon. C'est flou, ta part va arriver, c'est un petit problème, donc il n'y a pas trop de soucis à ce niveau-là. Donc, en passant aussi, je voudrais apprécier les vidéos qu'on a eu à faire au Terre récemment, la vidéo de Père Claude du Canada. Et mes répliques, non, 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 tu as des vidéos. Tout ça, c'est vraiment les films. Quand tu balances ça,
Non, il faut au moins sacrifier tes 2 heures pour t'asseoir les voir. Mais sinon, c'est pas mal. Juste que celui qui n'a pas le temps peut juste, tu vois, tu arrives, tu passes. Sinon, tu as le temps, tu t'assois, tu vois. Parce que c'est plein d'enseignements, il y a beaucoup de choses très importantes là-dedans. Donc, j'apprécie beaucoup de ces vidéos. On voit aussi la RC Latina, si je ne me trompe pas, d'Allemagne, qui a fait sa vidéo l'autre jour concernant les couples, les unions entre bannis et contre ceux qui vont chez le roi et tout. Bon, je trouve que ce n'est pas mal. Hein. C'est bon, je t'encourage, mais je décris juste le fait que certaines RC, on veut te dire, bon, tu as 21 ans, tu n'es pas assez mature, tu ne devrais pas dire des choses comme ça. Bon, moi, Latina, je trouve que tu dois prendre ça. Hein. Tu dois te faire plaisir. Tu dois te dire, bon, c'est pas ce qu'elles disent, pardon, n'est pas mauvais, mais d'un autre côté, je trouve que tu as un mot à dire parce que ce n'est pas parce qu'elles ont plus d'expérience que toi qu'elles devraient t'étouffer. Donc, tu as parfaitement raison. Et je trouve que ce que tu dis, c'est assez clair, c'est assez normal. Donc, en fait, la page est là pour ça, hein. C'est ça qu'on encourage dans la page. Donc, rien à dire, vraiment, j'apprécie ta vidéo. Aussi, le gars fleuri d'Allemagne, j'apprécie aussi. La RC de Madagascar. Toutes ces vidéos-là que les gens ont eu à balancer au Parlement, j'ai vu, mais c'est juste que moi, je n'avais pas le temps pour pouvoir faire ma part des vidéos et balancer parce que je n'avais pas, c'est pas, n'ai pas assez de temps. Donc, aujourd'hui, là, je reviens et je me rattrape un peu. Donc, je n'oublie pas aussi le Big Boss. Papa Canada, ça, c'est mon grand. Une grande ferrure. Oui, c'est mon fou. Ou pique ton vidéo. Ma vidéo, t'es pas eux. Un grand point, tu peux flop. Père me dit, ah non. Père pique tout. Ou c'est un flop, pique ma vidéo, t'es pas. Non, tu pas un grand point, non. Parce que mes pics ne tirent pas en gros. Tu m'as vu watch. Tu m'as vu sans work. Non, un grand point. Un petit pas, un petit peu. Un bon pas. Un grand frère. Non, au pic de toi, vidéo. Un jeu vidéo aux heures, je crois. Un grand bon. Ah, donc, j'apprécie vraiment ce que tu fais et je t'encourage aussi à de temps à autre venir nous donner de la bonne humeur au Parlement. Donc, c'est ça. Et je remercie déjà tous ceux qui participent au mouvement du terre, tous ceux qui apportent leur contribution, tous ceux qui commentent. Il y a certaines personnes, les sous-marins, comme Papa Canada l'a dit, et ils ne se font pas voir en vidéo, ils ne commentent pas, mais ils ou elles sont bien présentes et elles likent. Et bon, c'est comme ça, c'est aussi un autre aspect du terre à terre, mais le plus important, c'est que le message passe. Tout ce que le Big Woman essaie de faire depuis, vraiment, c'est un très très grand travail que moi, j'encourage beaucoup. Vraiment, il faut continuer dans cette lancée, grand frère, parce que ça nous rassemble vraiment tous les camarades de la communauté. Ça permet à ce que chacun puisse apporter sa petite contribution, ça permet à ce qu'on puisse apprendre des choses, tu vois, il y a des nouvelles idées qui arrivent, parce que j'ai lu un de tes commentaires là, une de tes publications, pardon, un gars qui avait un plan business, e-commerce, un truc comme ça, tu vois, ce sont les trucs comme ça qu'il faut encourager, puisque une fois que ça va arriver là, au tel, une fois que plusieurs personnes viendront et s'ajouteront à la page, tu vois, on a beaucoup de personnes profiteront, donc c'est un peu ça. Donc, bon, comme je l'ai dit, je ne vais pas être très long. Je vais juste faire juste une petite vidéo comeback pour juste saluer les membres du thème. Mais déjà, je vais aussi prendre quelques minutes pour faire Kamer, c'est quoi ta langue maternelle avant de terminer maintenant sur un autre petit point que je vais garder ça pour plus tard. Donc, déjà, j'ai remarqué, je me suis déjà dit d'où je viens, puisque moi je suis Chang, et j'ai déjà parlé un peu de Chang dans ma vidéo. Donc, profitez de l'occasion pour saluer ceux que je connaisse et tous les membres du Parlement. Donc, Batsate, ah voilà, Rissi Flo,
Et bon, je suis Chan et j'ai grandi dans une autre partie de l'Ouest, chez les Bamendjou. Je ne sais pas s'il y en a des Bamendjou au Parlement, mais je sais que tous les villages, toutes les communautés sont représentées au Parlement. Donc, je voudrais profiter de cette occasion pour faire aussi un petit coucou aux Bamendjou, hein, s'il y en a, les Bamendjou, Bameka, Bafoussamba, en soi, du thé. J'aimerais faire prendre quelques minutes pour les saluer parce que je sais qu'ils comprendront ce que je veux dire. Bon, famille, t'as pu t'en nombre. Peu qu'à finir, lancer mouvement à nier. Mouncho sa sujet, t'en a son ta nier, je suis nombre. Peu qu'il l'offre, ce qu'on doit sorber. N'est qu'à fi sujet, t'en gagne, nous t'en posons nombre. Moué, je suis là. À Rob, c'est tellement à jour de yon, allemand, ça a mis à qui chap allemand. Mais mes chiens de pram, azite. Azite, mes chiens de pom, mouncho azite, en jate. Donc, mes chiens de Hubert Hollande, plus rire là, là, faut vous parler, maman. Les jours, la façon de n'en gala, chien, non. Mais j'ai mis tout. Donc, Hubert Hollande, plus n'en coup du parlement. Vraiment, nous lancer mes jongles, quand même, c'est quoi ta langue maintenant. Et puis, coup juste en engage, n'en gala, pour jouer, non. Tchè, me veut, n'est-ce pas, nous me représenter, lui. Donc, c'est petit coucou que je fais en langue. Deux langues que je connais en fait, la mienne et celle que j'ai appris et tout. Donc bon, d'après, je pense que c'est ça en français. En tout cas, c'est pas mon patois. Donc bon, c'est le second volet que je voulais aborder. Et le troisième volet que je voulais aborder dans ma vidéo, je sais que... Pardon, prenez un peu le temps, hein, parce que c'est juste que je vais... c'est devenu un peu une petite tendance au Parlement. Moi aussi, je vais suivre la tendance parce que tout le monde ne peut pas faire comme ça. Je laisse. Ma récée, ma grande soeur, elle a fait. Me rafle, ou lancer ou non. Ou lancer, je défie non. Donc, moi, ce n'est pas un défi, ce n'est pas une réponse que je fais. Mais c'est juste qu'elle est en dessus parce que. Je peux dire les bams sont là un peu, tout. Nous, en fait, dans l'affaire, elle n'est pas très contente. Elle a préféré danser la sico et tout. Donc, pour lui challenger, moi, je compte plutôt faire autre chose. C'est-à-dire rester plutôt chez nous, rester plutôt... Dans nos sources, je préfère valoriser la danse bamie. Je suis encore là. C'est vrai que nous l'avons dit, c'est la préférée, danser un peu de la sico, de tous les autres. Bon. C'est bien, hein? C'est bien, c'est toujours le camé. C'est le camé qui est représenté. Vraiment, moi, je t'encourage, danse. Ma congénérité. Donc, je peux faire un peu, c'est... Pardon, prenez juste quelques instants. Hein? Je peux juste faire un peu une petite réponse là, pour dire que bon, hein? Je continue à valoriser notre danse. Il y a même quoi, c'est... C'est entre nous, donc, pardon, prenez quelques minutes seulement, je vais... Je vais faire quelques petites danses. Non, je ne suis pas fréquent, je suis tellement.
Claude, je sais que tu me dépasses, je sais que nous là, nous avons perdu les anciens, tu me danses, donc je sais que tu as fait mieux pour moi, vous ça, je le confirme. On attend de voir Madame Waman et Joe Parlement. Amenez-moi, amenez-moi à Balengo. C'était Mélène depuis l'Angleterre, merci beaucoup. On se voit la prochaine.